Bonjour la jeunesse! Alors aujourd'hui on a décidé de changer encore de cheveux. La madré est là pour nous servir. Bonjour la jeunesse! Et mes cheveux ne ressemblent plus à rien, ils sont cassés comme pas possible. Aujourd'hui on va les redécolorer. Oui, c'est très cohérent étant donné que mes cheveux sont cassés. C'est une très bonne idée, n'est-ce pas? Oui, je sais, I know. Mes cheveux sont tellement défoncés que je crois que je vais les couper demain. J'ai pris rendez-vous donc je ne crois pas, je le sais. Et donc du coup je vais bien les abîmer maintenant, comme ça une fois qu'ils seront coupés ils seront tout neufs. Tout beau. J'ai quelques petites idées en tête pour dans le futur au niveau de ma chevelure, mais je veux encore finir tout ce que j'ai à faire, tout ce que je n'ai pas fait, défoncer mon cheveu jusqu'à la moelle avant de faire ce que je veux. Ici les tresses ont défoncé mon cheveu, on les a très très mal retirées, on a tiré dessus. Mes cheveux sont un petit peu cassés, ben voilà, c'est plus qu'une queue de rat quoi. C'est vraiment pas très joli. Ouais. On va s'amuser à redécolorer et on va faire une nouvelle couleur, vous allez voir. Ta popote, il faut couper les bandelettes. Coupe les bandelettes après. Hein. Fais d'abord la popote, comme ça tu peux déjà appliquer sur la moitié, couper mon visage. Tu mets pas les gants. C'est fini de me faire mal. Tu as un peigne correct? Oui, j'ai ton peigne. Oups, il est un peu mal mis dans le sac. Non, mes cheveux ils sont vraiment vert, bleu, mauve, jaune, horrible. Tu filmes là? Oui, je filme. Parce que je dois faire pipi. 300 000 personnes te verront faire pipi. Tu es prête à ça? Je me demande dans quelle mesure il faudrait pas le faire en deux fois. Trop non, Dieu. Non? C'est la miche popote. Tu peux m'ouvrir, j'arrive pas à une main. Ah, mais. C'est comme ça, hein? Tant pis, c'est ça. C'est quoi ce produit? C'est les, un camion. Oh, c'est la plus belle. Est-ce que le parc à conteneur est ouvert vendredi? Normalement, oui. Oui, mais ça, c'est pas une réponse, hein, normalement. Il y a des gens qui mettaient déjà les poubelles le mardi pour le vendredi et que les poubelles passaient le mardi et pas le vendredi. Oh là là! Regarde dans ton assiette. Ah! Rien de tel que la lumière du naturelle. La bise. Mais non, la vidéo n'est pas finie, maman. Ah mais pardon. Regarde ça, cette queue de rat quoi. Ça fait un petit peu pinceau. Ça fait un peu vieille poule là. Cette queue de rat quoi. C'est les queues de rat. Et bourriffé. Je t'avais dit qu'ils étaient abîmés. Oh. 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 C'est un tantinet réchouille. Hein. Que je te dis, ils sont abîmés. Je te dis, c'est ce que je te dis. Oui, j'ai compris. Je sais plus passer ma main dans les cheveux, c'est la preuve, c'est la mort. Ah oui, non, c'est rêche. Pourtant, j'ai fait des bains d'huile et tout. Hein, ouais, là, c'est fini. Bon, bain d'huile ou pas bain d'huile, ça sera pas. Bain d'huile, c'est une jambe en plâtre sur une jambe de bois. Hein. Tes cheveux, ils sont morts. Ça, c'est vraiment ça en plus. C'est Fifi. On the Fifi. On the Fifi. Tu vas commencer par quoi? L'arrière ou l'avant? D'abord l'avant. J'ai défoncé mes cheveux. Toi qui veux tellement les raser, tu vas lui envoyer un message en disant dis-lui qu'il faut les raser. Dis-lui. Comment est-ce que je vais faire? It was at this moment that he knew. He fucked up. Bon, je sens que je vais faire mieux mes cheveux là. Je sens que c'est la fin. Arrête de pleurer. Je ne pleure pas. Assume tes choix dans la vie. Oh. Pourquoi elle fait ça? Parce que je sais pas, ça bug, c'est chiant. Maringa ba wingo ba no. Regarde, ça devient déjà blanc. Hein. Ouais, mais tu vois, regarde là. Allez. Ça brûle ou quoi? Oh. Oh non. Ok. T'es pris pour Yves Caen de Borg ou quoi? Je me dépêche. S'il te plaît. Désolé, hein, c'est chiant, mais c'est juste que je sens que je vais pas tenir longtemps. 5 minutes au coin, c'est mieux que 5 ans en prison. Éduquez-les pour qu'on ne doive pas les rééduquer plus tard. Ouais, c'est bon. Ça, c'est vrai. Tu veux bien tenir ta tête? Je valide maintenant. Non, mais arrête. Bon, allez, on fait derrière là.
Tu veux bien t'exciter autrement? Mais ça brûle, ça brûle. C'est vraiment comme si tout ton crâne était en feu. Ouais. Bonjour. Je suis en souffrance de l'extrême. Je viens de me rendre compte que j'ai encore des croûtes sur mon crâne et du coup ça brûle à crever, gars. Je souffre mais d'une de ces forces. Mais t'imagines pas à quel point. Les deux dernières fois que j'ai fait des trucs capillaires, j'ai souffert. Donc là ici j'ai laissé, je ne sais même pas combien de temps parce que ma mère a pris beaucoup de temps sur mes cheveux, donc ça a pris genre une heure et demie pour tout finir. Donc ici je vais commencer à défaire ce qui était devant, couper avec de l'eau pour pouvoir faire les pointes ici qui sont un petit peu verdâches et je vais laisser poser je ne sais combien de temps. On va voir. C'est le suspense aujourd'hui. Allez, dis bonjour. Voilà la couleur ici. Mes cheveux sont ultra poreux, les gars. Je les ai défoncés, je le sais. I know it. Arrête de faire un, ça me fait peur. Ils sont beaucoup trop abîmés. I think this is the end. Dans le chandelier. Oh, je défonce mes cheveux. Regarde là. Tu montres? Je saigne. Si t'évitais de gratter, ça n'arriverait pas. On est reparti. Ils sont élastiques en plus. Bah oui. C'est quand c'est élastique que c'est de la merde. Ils sont foutus là, ils sont brûlés. Même ton oreille en a pris un coup. Tout, j'ai eu mal partout maman, j'ai souffert. Vous êtes fou pour faire ce que tu fais. Mais vous êtes fou. Oh, oui. Oh, oui. Ton pauvre crâne. C'est bien, ici je vais mettre du rouge dessus, comme ça on verra pas les croûtes. Ça va être le rouge. C'est le buting. On dirait de la marmelade. Oh, c'est joli. Tu peux bien retirer tes mains aussi. C'est parce que tu m'en fous sur le visage. Genre mon travail là. C'est légèrement rose comme ça. C'est joli. C'est bien parce que ces trucs là, ça fait un peu soin. C'est le rouge que tu voulais tant. Ouais, j'aime bien. Donc ça, c'est un beau rouge que j'aime bien. J'aime pas quand c'est trop foncé. Les cheveux sont morts. Ça me fait limite mal au cœur pour eux. Maringa, maringa, maman. Je suis contente d'en avoir fini avec le bleu. Ça faisait longtemps là le bleu, j'en avais marre. Une fraise. Une framboise. Quel peintre dans l'âme que tu as dit. T'as fait ça. Une véritable artiste. Et j'ai plus de batterie. De nouveau? Non, maintenant c'est la batterie qui se réveille. Oh. Ça me fait de la peine. L'état de mon cheveu, il est cramé quoi. Il est comme il avait vraiment brûlé quoi. Il est tout élastique. Je le savais. Hein. C'est pour ça que je voulais essayer de trouver une autre solution pour enlever la couleur. Mais malheureusement, c'est le seul qui fonctionne pour le bleu quoi. Et soi-disant que c'est des cons. C'est semi-permanent. Ouais. Mais on sait tous très bien que le bleu, c'est la couleur qui tient le mieux. Non, ouais, non. Ouais. Et voici la coloration terminée. Je pense que ça m'a bien donné, donc je suis contente. Cependant, mes cheveux sont morts. Je les ai tués. Ça y est, on y est. Je m'y attendais, donc je m'en fous un peu. C'est pas très grave, c'est des cheveux, ça repousse. Je pense qu'ici c'est la dernière décoloration que je ferai de ma vie. Enfin non, pas de ma vie, mais en tout cas pour ses cheveux. Et du coup j'ai encore 2-3 projets de coloration en tête que je voudrais bien faire. Et puis une fois que ces projets seront réalisés, je commencerai par faire des choses un peu plus gore. Voilà. Je ne vous en dirai pas plus. Après je vais les rincer, je vais les sécher, je vais vous montrer comme ça. Et évidemment, après avoir été chez la coiffeuse, je vous montrerai le résultat final. Et justement je vais chez la coiffeuse pour couper un peu parce que je sens que si je coupe pas mes cheveux vont partir en poignée quoi. Je vais un peu couper et puis je ferai ce que j'ai envie de faire et puis après bah, on aura d'autres projets. Je suis sûre que vous vous doutez de ce que je vais faire mais on verra bien. À tout à l'heure. Et voilà la jeunesse. Je ne sais même plus passer mes mains dans mes cheveux et regardez ça. J'ai vraiment une frange de kéké les gars. Mes cheveux sont morts, mes cheveux sont morts. C'est la fin. Je vais encore essayer de m'en occuper doucement pour les prochains mois à venir. Ah, ils sont morts, là c'est la fin. Et franchement, j'ai quand même de la chance d'avoir mes cheveux comme ça parce que ça fait quand même un an que je fais ça et ça fait un an que je les défonce et je le sais. Et je savais que j'allais arriver à ce moment-là de ma vie. Donc je me dis voilà, ça y est, c'est peut-être le moment où il faut arrêter, faut se calmer. Demain je vais me les couper pour qu'enfin je puisse passer mes doigts dedans. Mais je sens que c'est la fin. This is the end. À demain. Les gars, j'adore cette couleur et j'ai toujours rêvé d'avoir cette couleur et je trouve que ça met mes yeux en valeur et tout. C'est un peu plus rose que rouge d'ailleurs, mais mes cheveux sont dans un de ces états. Je vous jure, ça se voit, c'est de la paille.
Je sais même pas les démêler, les gars. Je sais même pas faire ça. Si je passe un coup de peigne, je crois que j'arrache ma tête. Je ne sais que faire. Voilà. Mais j'aime beaucoup cette couleur, en tout cas. Bon, les poulets, ça y est, une nuit est passée. Mes cheveux ne sont pas coupés, hein, je vous rassure. C'est juste que je les ai attachés parce que j'ai fait une nuit d'huile de coco sur le crâne. Mon crâne est défoncé, les gars. Je sais pas si je sais vous montrer, mais en gros, hier, ma mère venait de finir mes cheveux. Je suis sortie à Bruxelles et à ce moment-là, je commençais à toucher mon crâne et genre. Quand je touchais, j'avais du sang sur les mains, les gars. Je me suis défoncé le crâne. Mais quand je vous dis défoncé, les gars. Du coup, ici, j'ai ma vieille mèche comme ça. On dirait vraiment que j'ai des cheveux courts en plus. C'est trop drôle. Je vais aller chez la coiffeuse maintenant. Je vous montrerai le résultat, bien sûr, évidemment. Ma maman m'appelle, donc il faut absolument que j'y aille. La bise. I don't wanna scrub, scrub, is it gotta get no love for me? On en parle de cette super belle coiffure. Ah, je suis hyper contente, j'avais trop envie de faire une coiffure comme ça. Un peu genre petite blondeuse mignonne, j'ai des cheveux courts, je suis mignonne. Je suis hyper contente du résultat, surtout que franchement la coiffeuse m'a super bien réussi. Je suis hyper contente, si jamais ça vous intéresse les amis. Ça s'appelle Coiffure Passion à Otigny. C'est là où ma maman va et elle m'a conseillé d'y aller. J'ai testé et j'approuve. Les gars, on dirait pas que je sors d'un clip de TLC. Et franchement elle a hyper bien pris soin de mes cheveux parce qu'on dirait même pas qu'ils sont abîmés alors qu'ils sont méga abîmés, je sais pas comment elle a fait. Là ils sont vraiment nickel quoi, elle les a trop bien brushingés, ils sont vraiment beaux, ça fait pas coiffure de daronne. Ça fait ni Playmobil donc je suis assez contente du résultat. Les gars je suis hyper contente, elle a trop bien fait ça et je me trouve vraiment jolie comme ça. J'ai d'autres projets en tête, je vais les faire et puis j'aurai d'autres projets en tête, vous verrez bien. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous rappelle que la carte du lion est sortie. N'hésitez pas à aller la voir parce qu'elle est super cool et j'ai vu dans les commentaires qu'il y avait plein de gens qui avaient adoré. Donc ça vaut le coup les gars. Donc Ailey, je le répéterai jamais assez, vous le savez bien. J'ai l'impression d'avoir la coupe de Alizée des années 2000 quoi. Moi je m'appelle Lita. En plus hier je suis sortie avec mes cheveux rouges là et il y a un gars qui était trop drôle parce qu'il était en mode non franchement toi t'as l'air vraiment cool hein. En plus tu sais que j'adore Mylène Farmer. J'étais là, attends ça veut dire que parce que j'ai des cheveux rouges tu adores Mylène Farmer donc ça se lit je n'aime pas Mylène Farmer gars donc ne dis pas ça, il faut pas dire ça. Tu ne m'adresses plus la parole, tu ne m'appelles pas Mylène Farmer ok. Merci. Je vous laisse, j'ai assez parlé, je vous ai assez montré ma vie. Je vais aller manger des pâtes bolognaise parce que j'ai trop la dalle. Et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise.